have a very happy news today. In 1947, Montfort was canonized as a saint by the Catholic Church. Today, on the 75th anniversary of that day, 20th July 2022, we declare one of his followers, Brother Joseph John, as a saint, Vox Populi, Vox Dei. Further communications will come from the Montfort Education Foundation. Thank you.
ಆಯ ಪುಚ್ಚು ಪ್ರೇಸಿಯ ವಿಶುದ್ಧಯಾಯ ಅನ್ನಾಯೇ ವಿಶುದ್ಧಯಾಯ ವೆರೋನಿಕ್ಯ ವಿಶುದ್ಧನಾಯ ಡೋನ್ ಬೋಸ್ಕು ವಿಶುದ್ಧನಾಯ ಡೋಮಿಕ್ ಸಾವಿಯೋ ವಿಶುದ್ಧನಾಯ ಗೀವರ್ಗೀಸೇ ವಿಶುದ್ಧನಾಯ ಪಾದ್ರೆ ಪಿಯೋ ವಿಶುದ್ಧಯಾಯ ಸಿಸಿಲಿಯ ಯುದಾತ್ತ ದೇವೂಸೇ ವಿಶುದ್ಧನಾಯ ಅಂತೋನೀಸೇ ವಿಶುದ್ಧಯಾಯ ಮರಿಯ ಗೊರೆತ್ತಿ ವಿಶುದ್ಧನಾಯ ಬೆನಡಿಕ್ತೆ ರಕ್ತ ಸಾಕ್ಷಿಗಳೇ ವಿಶುದ್ಧರಾಯ ಸಕಲರು ಮೇ ಸ್ವರ್ಗ ನಿವಾಸಿಗಳ ಸಕಲರು ಮೇ ಕ್ರಿಸ್ತನಾದ ಕೇಳ್ಕಣಮೇ ನಾದ ಕೇಳ್ಕಣಮೇ ಕ್ರಿಸ್ತು ನಾದ ಕೇಳ್ಕಣಮೇ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ
நீருளான பாதை வெளிச்சமானி என் சுகமும் என் பலனுமானி என் தாயின் கருவி தெரிந்து கொண்டி தரிசனம் நிறைவேற்றுவி. Né à Montfort-sur-Meux, près de Rennes, Louis Grignon est le second d'une famille de 18 enfants. Très vite, naît en lui un amour de Jésus et une passion pour la Vierge Marie, qu'il n'aura de cesse de transmettre à ceux qui l'entourent. De Rennes à Paris, de Poitiers à Rome, Louis-Marie marche infatigablement, en quête de son destin. Ami des pauvres, homme au très fort caractère, il saura accueillir les échecs et les revers avec courage et dans l'obéissance à l'Église. Il transmettra cet amour de la sagesse tout au long de sa vie missionnaire. Il avait une certaine personnalité, lui aussi, grâce peut-être à son père, personnalité forte, voire colérique. Mais il a beaucoup travaillé sur son caractère, grâce aussi à la présence douce de sa mère. Le père de Montfort était un élève très, très sérieux, très studieux. Il n'hésite pas de manifester son caractère et aussi sa personnalité. Une personnalité audacieuse, libre aussi, tout en étant un adolescent. Donc, il se rend compte que dans les cours, il y a aussi des riches, mais il y a aussi des pauvres. Donc, il voit un garçon, un compagnon, pauvre, qui n'a pas de veste. Il fait l'aumône auprès d'eux dans son collège et il lui manque une certaine somme. Il se rend chez un tailleur à qui il remet cette somme d'argent en lui disant, eh bien, pour l'amour de Jésus-Christ, veuillez compléter, veuillez offrir à mon camarade l'habit qui le vêtira. Il est devenu vraiment, pour la foule, le bon père de Montfort. Un homme convaincu, déterminé, mais très approchable. Donc c'est un homme qu'il avait, je dirais, le charisme de savoir toucher le cœur. À Rennes, il a ressenti un attrait, une vocation, un appel de devenir prêtre, de devenir missionnaire. Et il traverse pour aller à Paris un pont, le pont de Cesson. Et c'est à ce moment-là qu'il dit que, une fois traversé ce pont, j'ai quitté ma famille et je suis entré dans une nouvelle famille, la famille de la Providence. Et alors là, il donne sa veste à un pauvre, il donne son argent à un autre pauvre. La passion pour les pauvres, ça vient d'abord comme
comme on peut imaginer aussi, de sa profonde relation avec Dieu. Donc Dieu pour lui, c'était quelqu'un qui se penchait sur l'humanité pauvre, nécessiteuse, en se reconnaissant lui aussi pauvre devant Dieu. Donc sa réponse, qui est tout au long de sa vie, c'est aussi annoncer, dire, manifester aux pauvres qui avaient un espoir, une espérance, c'est la présence de Dieu. Après ses études au séminaire Saint-Sulpice à Paris et suivant les conseils de Madame de Montespan, le jeune prêtre partira à Poitiers, où il servira les pauvres de l'hôpital général. Deux personnes seront particulièrement touchées par son rayonnement, Mathurin Rangard et Marie-Louise Trichet. Marie-Louise va détecter dans cette rencontre le doigt de Dieu qui va la guider jusqu'à venir vivre à l'hôpital. En 1701, elle n'a que 17 ans, elle est une jeune fille de la bourgeoisie de Poitiers, son père est procureur au tribunal de Poitiers, et elle lui dit son désir d'être religieuse. Parce qu'il voulait toujours encourager les autres à s'engager sans avoir peur. N'ayez pas peur, c'était un petit peu son slogan. N'ayez pas peur parce que vous aurez toujours la confiance de trouver une solution. Et alors c'est là que lui permettait aussi d'entraîner les autres. Et Mathurin Rangard était un jeune, 18 ans, qui venait, qui passait, il voulait être capucin. Et puis il rencontre le père de Montfort à Poitiers. Et le père de Montfort sent dans cet homme un personnage quand même attrayant et plein de... de don de lui-même, quoi, il voulait se donner. Alors il lui dit, écoutez, je crois que j'ai besoin de vous. Venez avec moi, dans mes missions, vous m'accompagnerez, etc. S'il parvient à toucher les cœurs, son caractère très entreprenant, sa foi et son exigence lui créent de nombreuses jalousies et critiques, y compris parmi les personnes influentes du clergé. Et il dérange, sa présence dérange à la Salpêtrière aussi, parce qu'il veut mettre de l'ordre et aussi... faire remonter la dignité des pauvres. Et donc là aussi, il se trouve, un jour, il trouve sur son assiette un petit bout de papier, vous êtes mis à la porte. Et donc il n'a pas d'amis, il n'a pas de connaissances à Paris. Donc la seule chose, c'est d'aller demander un abri. Il va vivre reclus sous l'escalier de la rue du Pot-de-Fer. À Paris, on est en 1703. Et c'est vraiment rejeté de tous dans une solitude extrêmement profonde. Et c'est là, ça demeure pendant 6 mois, en silence, en méditation, en écrivant aussi des belles choses. Peut-être c'est là qu'il a écrit l'amour de la sagesse éternelle. Et il va vivre une expérience qui est lumineuse, qui dès lors va orienter toute son existence. Il va se laisser au cœur de sa nuit. Il va se laisser toucher par l'amour de Dieu qui va venir le rejoindre sous les traits de la sagesse de Dieu. Malgré ses épreuves, qu'il surmontera dans l'obéissance à sa hiérarchie, le père de Montfort continuera à évangéliser les foules de l'ouest de la France en organisant des missions avec de grandes processions et en créant des écoles charitables comme à La Rochelle, suivant en cela l'ordre reçu du pape lui-même qui l'avait nommé missionnaire apostolique. On retiendra la devise de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, « Dieu seul » et le « Totus tuus, tout à toi » adressé à Marie qui conduit à Jésus. Avant de mourir, donc, il a bien sûr écrit son testament où il laissait le peu de choses qu'il avait à disposition à ses compagnons qui étaient là. Il s'est confessé aussi et à la fin, tout en manifestant aussi son combat spirituel, il dit aux gens qui étaient là à son chevet, « Je me trouve entre Jésus et Marie. Je ne pécherai plus. » Et il ferme les yeux.